Bonjour les amis, on est back pour l'épisode numéro 43 et l'attaque de la forteresse. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je vous avoue, que ça me fait un peu stresser parce que... Parce qu'on a déjà échoué une fois misérablement et que... le gros margoulin qui garde la forteresse me fait peur un petit peu. J'ai pas envie de fail une deuxième fois, je vous avoue que là, ça me gonflerait vraiment, vraiment beaucoup. On va faire ça, sinon on m'attaquait. Bon bah écoutez. Très bien, écoutez, une petite mise en jambe parfaite. Voilà. Oh putain, il a tué ma bébête quoi. Très bien. Espèce de gros machin, on va s'en débarrasser. Il est costaud. Il a l'épreuve du gel, mais il est costaud. Écoutez, je sais ce qu'on va faire. Oh là. On va faire ça. Voilà. Faire ça. Avec un peu de chance, on pourra le... Putain, mais il est sans pitié avec les Karagors, hein. Très bien, parfait. Faut pas qu'on vienne m'embêter. Voilà, même personne. Super! Ça, c'est bien, les mecs. Ça, c'est bien. On recrute. Voilà. Voilà. Tu vas aller tuer le garde du corps. Voilà, très bien. Aïe, les gars. Ah, très bien ça. On obtient des renseignements gratos. Ça fait toujours plaisir, les gars. Tout qu'il y a un petit noir là. Hop, qui reste dans l'ombre, je vois pas qui c'est. L'infecté. Oula! Oula. Très bien. Bon, bah c'est parti. On va essayer de se faire. Le vilain qui nous reste sur les remparts. Ouais, celui qui nous a tués et qui nous a trahis, cet enfoiré. Ah ouais, c'est bête de siège ardente. Faut le faire, les gars. Parce que sinon, ça va être compliqué. Le chef de guerre est sournois. Il nous faut plus d'informations pour pouvoir l'affronter. Quelque chose vient de bouger par là. Oui, bah c'est moi. Je te tuerai. Va être compliqué hein, parce qu'une mission comme ça j'ai déjà faite, elles sont compliquées les gars. Elles sont complicadas. Complicadas je veux dire. Hop, on va continuer hein. Leur forteresse elle est pourrie, on peut se balader dedans comme ça. Tranquille les gars. Merde, un qui donne l'alerte. Bon, on va fouiller la table. Ok, très bien. Tu es en quête de pourparlers ? Ou bien tu voulais mourir ? Bon. Le problème, c'est qu'il a ses gardes du corps, quoi. Mais je suis un bon tueur. Ça va être dur. J'ai une arme empoisonnée, ça c'est pas mal les gars. Je suis en train de me rendre compte, mais lui doit être à l'épreuve du poison, parce que c'est lui-même qui empoisonne. Tiens.
Merci. Hop. Alors, il est où? Il est caché derrière là-bas. Ah, je sens que ça va être dur. Je sens que ça va être dur, les amis. Envoyez-moi toute votre... tout votre savoir-faire, les poteaux. Ah, c'est son garde du corps. On est deux parties d'un même orc. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'ils sont à deux. C'est pour ça qu'on est spéciaux. En sortant de la cuve, ça s'est vu. Deux fois plus malin que les autres. Deux fois plus rusé. Avec deux visages nobles, mais néanmoins très intimidants. D'accord. Ça va être dur, les gars. Ça va être dur parce que tout seul, il m'a tué. Alors, imaginez avec un garde du corps. Hein. Et avec un niveau moins important. N'oubliez pas. Alors là, je fuis parce qu'on a donné l'alerte et ça m'agace. Voilà. Normalement, il devrait pas me trouver. Pas un archi pour me refaire de la vie là. Bon, là, il me cherche, vous voyez. C'est parfait. Attendez, il me cherche, j'attends qu'il monte et je vais lui décocher une flèche. Très bien. Voilà, comme ça je l'affronte un petit peu en 1 contre 1. Un petit peu, hein, parce qu'il est quand même sacrément badass, hein, cet enfoiros. Putain d'enfoiré. Je peux pas le drainer là? Putain, il est fort, hein. Oh, c'est parce que c'est un sauvage. Putain, déjà? Je suis abusé. Ne soucie pas des vapeurs, Tark. Ma casse. Quand tu les auras étalés, il sera déjà trop tard. Yes. Alors ça... faut vraiment que je profite à fond, les amis. Parfait. Ah, j'ai pas pu lui prendre de la life. Oh non! Putain d'archer! Yes! Woo! Yes! Ah, j'ai eu peur, les gars, j'ai eu peur. Bon, il m'a trahi, c'est ça le problème, ouais, voilà. Vous voyez? Alors si je le rabaisse, est-ce qu'il reste Je pense pas. Hein. Voilà. La piste est quand même terminée. Elle a été affaiblie. La défaite chez le garde est désactivée. Bon, ça va. Il reste en vie, espèce de gros bâtard. Mais... ok, très bien. Lui, il est terrifié. On va essayer de se le faire. On peut l'attraper comme ça, oui, très bien. Donc les terrifiés aussi, vous voyez, on peut les attraper. Donc lui, par contre, je peux le recruter. Voilà. Très bien. Alors qu'est-ce que je vais lui faire faire? Voilà, va le tuer. Très bien, ton ancien patron, tue-le pour moi. Oh oui. Allez, dégage. Alors, ensuite. Elle est où la mission de... elle est là. On va essayer de régler ce compte.
Bon, écoutez, je pensais pas réussir déjà. Donc c'est une bonne chose. Je suis content. Je suis plutôt content. Donc oui, hein, quand vous allez d'un point A à un point B, vous pouvez foncer. Parce qu'ils sont tous un peu complètement cons. Oh! Bon, je sais pas pourquoi il y avait ça, les amis, mais... Ah, je me suis trompé de touche, excusez-moi. Il fallait appuyer sur Start. Option, si vous préférez. Ok, donc ça c'est inutile, j'en ai pas besoin. Et ça c'est inutile, j'en ai pas besoin. Celle-là, je peux l'améliorer. On va l'améliorer. N'oubliez pas d'améliorer vos armes, les amigos. Pas besoin. Pas besoin. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, c'est parti. C'est parti. Attendez, il y en a encore une là où je rêve. Bon. Faut reprendre d'assaut la citadelle. C'est bien ce que je craignais. Putain. Ah, les mecs. Ah non. Ah. Alors là, j'ai rien dit. Bon point. Par contre, le soleil, merci. Très bon point. Pas besoin de reprendre d'assaut la citadelle. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vais juste voir si la dague est supérieure. Malheureusement, elle ne l'est pas. Bon, bah écoutez, on va rester comme ça, hein. Putain, je stresse. Allez! Je me motive comme je peux, les gars. Viens me voir! Pourquoi tu reviens? Je t'ai déjà écrasé l'autre fois. C'est vrai. Tu serais pas un peu bouché par hasard? Mais viens, viens, je vais t'apprendre la vis, espèce de gros enfoiros! Allez, putain! Faudrait vraiment que je puisse appeler mon garde du corps, hein. C'est ça aussi qui me manque. Ça marche pas, j'appelle, ça marche pas, les mecs. Oh là, oh là. Hop. Oh, il est à l'épreuve des flèches. Ah oui, mais c'est parce que c'était que des barbares. Oh fuck. Oh, je vais jamais réussir, les mecs. Putain, c'était que des barbares. Ah putain, non, non. Allez, Rada. Tu peux le faire, tu peux vraiment le faire. Défonce-les, hein. Voilà, ça c'est pas mal, ça. Dans ton foie, petit enfoiré. Non, 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 le gros lard, non. Allez, je me concentre, les mecs. J'ai besoin de la grosse concentration. Faut vraiment que je le plie rapidement, quoi. Yes. Avant qu'il s'adapte. Espèce de petit bâtard crève. Ah oui, allez, crève, 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 crève. Allez, crève. Allez. Allez. Allez, pour construire cet endroit, tu peux pas faire ça. Ah oui. Oh. En 3 secondes, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui le patron maintenant? Moi. Respectez-moi. Oui. Ah désolé, ça, je suis excité là parce que ça y est, j'ai toutes les forteresses. Voilà. Yes. Mais oui, tout le monde tremble devant nous pour les retourner contre lui. Voilà. Sur le seuil. Oui. Oui. Donc la dernière conquête qui nous reste, les amis, je crois que c'est Amina City, tout simplement.
Bon, c'est décevant, ils auraient pu mettre plus de forteresses. Ah putain, c'est jouissif. Wouh! Yes! Bonne chose de faite. Épisode 43, légendaire. Alors, qui sera chef suprême? Les gros zozos. 32, 24, 33, 27. Oh, le dangereux. Est-ce que je mettrais pas le dangereux? Ou le hanté? Mais le hanté, le problème, c'est qu'il est pote avec quelqu'un. Je vais mettre le dangereux. Voilà. Tu vas être chef suprême. Tu es content? Je sais que tu es content. Voilà. Ne me trahis pas, gros enfoiros. Hein. Je préviens direct. Alors, qu'est-ce qu'il a promu en chef de guerre? Ça m'intéresse. Point 41, ce qui veut dire que je peux renforcer ma forteresse parce que c'était level 40. Ah, attendez, d'abord on va faire ça et on va voir le point d'aptitude. Nous faisons les choses dans l'ordre ici parce qu'on est des gens qui sommes ordonnés, bien sûr les gars. Allez, on va prendre ça. Très bien, on va aller voir le petit arc. Est-ce qu'il vaut la peine? Ouh, putain, ça vaut la peine de ouf! On passe d'un niveau 27 à un niveau 42, les mecs. Ah ouais, plutôt pas mal. Et du coup, en plus, c'est un équipement de terreur. Et du coup, les autres, on sait... Ah, ok, c'est marqué comment les obtenir. Très bien. Ah, écoutez, vous voyez, si on avait fait un 100%, on l'aurait fait. Maintenant on s'en fout, on n'est pas dans l'optique du 100%. Peut-être plus tard, vous savez, quand j'ai plus de jeux à jouer, quoi qu'avec le PlayStation Now, à mon avis j'aurai plein de jeux à jouer tout le temps maintenant. Et mais voilà, quand il n'y a pas de jeux à jouer par exemple, bah, vous vous amusez à faire les 100%, moi c'est ce que je fais, hein. Vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on fait comme on peut. Hein. Très bien, très bien, très bien. Bah écoutez, ça c'est une affaire qui roule, mais qui roule quoi. Ah oui, bah écoutez, je vais prendre la quête derrière. Il est quelle heure? Oh, c'est bon, on est large. Large, large. Ah, je voulais juste voir quel chef de guerre il avait nommé. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, il a nommé l'étouffeur 32, pas mal. Et le meurtrier 29, pas mal. Je vais juste améliorer ça. Voilà, parce qu'on a de l'argent. 7500, par contre, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, c'est une grosse forteresse. Allez, on va la faire, on va le faire. On a beaucoup d'argent. Voilà. Sauvage, non. Défenseur, oui, on prend les défenseurs. Et voyez, ici, level 40. On va acheter cette amélioration. Ah, et on a deux améliorations, les mecs. Trois améliorations, waouh! Et ça, c'est la fosse de combat champion. Ah oui, ok. Ah, écoutez, on va affecter quelqu'un là-dedans. Allez, un 33, c'est pas mal. Les maudites, non, on avait dit qu'on prenait les ardentes. Parce que le feu, ça brûle. Et ça fait mal. Toi, t'avais l'air pas mal. 32, le hanté, très bien. Les flammes infernales. Ouais. Ça, ça les surprendra bien. Et ici... 21, non. 24, c'est une blague. 29, 32. On va prendre lui, hein. Parce que le 32, je fais pas confiance aux jumeaux. Alors... Les murailles hérissées. De grands pics. Ah, qui empêchent d'escalader, c'est pas mal. Déluge de feu. Avant qu'ils atteignent la forteresse.
On va prendre les murailles hérissées, les amis. Comme ça, ça les obligera à passer par le Drake. Et là, je peux vous dire que ça va leur faire tout bizarre. Ils vont se prendre un bon coup de flamme dans le trou de balle. Ne pourrait plus escalader comme moi. Moi, je suis un petit singe. Un petit singe renard. Qu'est-ce que c'est là-haut? C'est quoi ça, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Allez, c'est parti. Ok, c'est de l'autre côté. J'ai pas besoin d'escalader, mais c'est pas grave. Hop. On va aller quand même voir. Ah! Et le monde lui-même ne sont plus jamais les mêmes ensuite. Ah écoute, on va s'assurer de ce qu'ils disent. Puisqu'apparemment c'est la dernière mission, les amis. Donc c'est bizarre parce que pour le coup, on ne récupère pas Minas Morgul. Enfin, Minas City, anciennement Minas Morgul. Nouvellement Minas... Non, bon bref, vous m'avez compris, merde. Bah écoutez, on a à peu près tout fait, hein, je veux dire. Après, le truc, c'est que peut-être que ça finira pas... Bon, hein, ici, il n'y avait pas de quête absolument particulière. Non. Bon, écoutez, on va le faire. Allez, bah écoutez, c'est la fin. Alors, est-ce qu'elle va se terminer... pendant cette vidéo, ou est-ce qu'elle va se terminer à la vidéo d'après? Moi je pense vidéo d'après parce que la fin du jeu risque d'être un petit peu longue, les amis. Bah écoutez, c'est pas grave, on est fiers de nous, on a fait des bonnes choses, hein. On n'est pas pour le 100%, mais je vous ai dit que ça dépasserait pas les 50 vidéos, je me suis pas trompé. Soit la fin sera là, soit elle sera pour la prochaine. À mon avis, c'est pour la prochaine. Acte 3, l'ombre et la flamme. Très bien, bon bah 3 actes, c'est quand même court, mais bon. Apprécions, je vous laisse apprécier un petit peu aussi. Talion, c'est ton destin. Oula. Isildur va s'impatienter. Ils auront leur guerre. Oula. Bon bah les mecs là, je crois que c'est parti pour la grande baston générale. Vous allez apprécier la saucisse. Oh oui. Mais il résiste encore. L'armée de Sauron avance, prête à tous nous massacrer jusqu'au dernier. Mais nous ne mourrons pas sous son emprise. Nous ne servirons pas le Seigneur des Ténèbres. Nous nous élancerons sur le champ de bataille. Et ces terres nous appartiendront. Vous, luttez pour le Mordor. Vous, luttez pour le Seigneur de Lumière. Double face. Chargez. Wouhou. C'est parti. Allez. Viens voir Sauron. Oh putain. Allez go. Moi je m'en bats les couilles. Je fonce dans le tas. Viens! Allez, viens me voir! Regarde-moi bien, petit enfoiros! Oh là, oh là, oh là, attends! Alors, qu'est-ce qu'il y a, les mecs? C'est qui le patron? Allez, le tyran! Ah putain, les gars, je suis excité là, excusez-moi de crier, mais. Ah, les batailles finales comme ça, qu'est-ce que ça peut m'exciter. T'es enragé par les Caragors, mon gros. Eh, je tape sur tout, hein. Je sais même pas qui est avec moi, je m'en balèque. Là, on y va, hein. On tape dans le tas, hein. Espèce d'enrageuse de merde, là. Je vais te faire voir ce que c'est quelqu'un d'enragé.
Regarde la différence. Comment dire des nouvelles? Gros tas de merde. On vient dans mon armée. On vient. Oui, tu es mon élu. Oui, tu vas rester te battre pour moi. Dépêche-toi. Putain, le gros PD en bouclier là, bute-le. Allez, c'est lui qu'il faut tuer, putain, il a rien compris, gros là. Ok, alors attendez. J'ai besoin de reprendre de la vie. Merci. Bon, il va mourir. Très bien. Allez, les gars. Oh putain, niveau 34, là, il rigole moins là. Oh, c'est lui, putain, mais je l'avais tué. Tu braves la mort, Gruk l'innommable. Je vais te nommer Gruk, le futur cadavre. Ah, regarde-moi bien, Gruk. Parce que je sais comment je vais te farcir. Comment je vais te tuer comme une vieille merde. T'as de la chance d'avoir des partisans autour de toi, espèce de petite salope. J'empoisonnerai tout le monde avec ma force. Alors, tu vas rester te battre pour moi. Tu vas te servir la lumière. Ah, d'accord. Alors je vais te tuer comme une petite salope. Je vais te crucifier, crève. Je meurs en sachant. Oui. Tu aurais dû m'appartenir. Qu'à la tête de cette armée. Oui. Oh oui. Allez, tu perds la tête. Oh non, tu perds ton cœur. Meurs. Oh. Oh là, j'ai plus beaucoup d'armée là, les gars. Oh. Wow. Ah ouais. J'ai fait du chemin pour te retrouver. Eh putain, c'est tout ce que j'ai tué, les gars. C'est tout ce que j'ai tué, le corbeau. Le corbeau, il était chiant. Vous voyez, il cale tout, quoi. Toujours vivant après tout ce qu'on a traversé. Ouais. Après deux vagues des meilleurs guerriers de son. C'est donc à moi de t'éliminer pour de bon. Allez, viens m'éliminer. Viens m'éliminer. Viens. Foiré de corbeau de merde. Encore un. Putain, les gars, c'est chaud. Ah, oh, petite salope, il vient me gêner. Quoi, je peux pas drainer personne là? Oh, attendez. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. J'essaie de récupérer de la vie. Parfait. Très bien. Il y en a un là-bas qui m'énerve. Très bien. Voilà, ensuite, c'est lui là. Je vais me le faire, celui-là. Attends, il y a le corbeau qui m'énerve, putain. Ils sont tous sur moi là, les petites salopes. Putain, mais il est con ce 27 là. Voilà, très bien, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Viens.
pas toi pour moi. Allez gars, là je suis excité. Hein. Je vous dis, je vais crier dans cet épisode, mon balek. Allez. Quick. Ah oui. Ah oui. Enragé par ma faiblesse. Oh là, oh là, oh, 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 j'ai recruté des bons. Oh oui, il l'a tué. C'était tellement sexy. Tu m'appartiens le corbeau, tu m'appartiens le corbeau. Tout le monde m'appartient. Eh oui. Reste battre pour moi, mon ami. On va les étriper ensemble, oui. Allez, c'est parti. Oui. Perdra tout, exactement. Oh, Isildur. Isildur. Tous les ravages que tu as faits t'ont mené ici. Nous sommes liés dans cette fraternité. Tel est le destin des rois. Oh là, il y en a un qui saigne, je sais pas comment ça se fait. Ah non, mais j'ai appuyé triangle, putain. Putain, il est sans pitié, le gars. Il y en a un qui saigne là-bas et je vais aller le... Ton voyage se termine, Seigneur. En plus, c'est le gros. Voilà. Fallait vraiment que je le remette d'aplomb, les gars. Fallait que j'en remette d'aplomb parce que... J'en ai besoin, quoi. Vous voyez, là, j'ai besoin de vie aussi. Très bien. Encore ? Non ? Putain, c'est moi qui cible, hein, espèce de petite maquerelle. Allez, butez-le là. Attention, ça c'est dangereux ce qu'il fait, les gars. Putain, un coup c'est triangle, un coup c'est X. Ah putain. Faut aller dans la lumière là-bas, là, les gars. Hop. Il m'a ramené jusqu'ici. Bah quoi, ça marche pas? Il ressuscite tout le monde, les gars. Yes! J'ai repris un peu de vie. Mais pourquoi je tape mes alliés, putain de ta mère? C'est tellement mal fait. Regardez-moi ce champ de bataille, quoi. Comment vous voulez qu'on tape pas nos alliés? Impossible. J'ai appuyé triangle encore une fois. Mais ça marche pas! Gave le cul, hein, je vous le dis, hein. El Tariel, ça te dit de m'aider un petit peu ou juste comme ça, t'es la vraie dernière des connasses? Putain, quelle connasse. Très bien. Ok, allez, niveau 34. Allez, Rada, tue-le moi, c'est en parfait. Putain, dans foireuse de merde. Putain, j'empoisonne mes alliés, c'est pas possible. Ok, très bien. Ah, il est brisé, très bien.
Non, putain, mais ça va être impossible à prendre. Ils sont 40 autour. C'est stupide. C'est stupide, les gars. Stupide. Comment vous voulez que je l'attrape? Ils sont 40. Putain. Oh non, je l'ai lâché. Ah non, c'est bon. Ouf. Oh putain, les mecs, là, c'était chaud, hein. Chaud de la bite. Désolé, hein, d'avoir crié, pardon. Ça, on avait vu dans le Seigneur des Anneaux. Isildur, il avait réussi à pécho l'anneau. Ouais. Bien, wesh. Par contre, il y avait des codés après. Je suis le Seigneur de l'Anneau. Oh là là, c'est tous des demeurés. Pas possible d'être aussi con. Ils ont tous des doigts trop petits pour l'anneau. Il court et l'anneau lui échappe. Non, mais ça c'est débile, vous voyez, franchement. Puis soi-disant quand on met l'anneau, on est invisible, ma fesse. Ouais. Tu me serviras pour toute l'éternité. Ouais, et lui c'était un bon, hein. Mais bon, j'étais meilleur que toi. Tu es à moi. Oh, super. Je ne le permettrai pas. Isildur, je vous libère. Non, non. Oh. Trouvez la paix dans la mort. Dommage. Qu'as-tu fait? Tu n'avais pas le droit de le libérer. Et tu n'avais pas le droit de l'enchaîner. Il a fait pire que ça. L'emprise de Sauron. Vous l'avez dissipée. Et je compte dominer Sauron. Voilà, c'est exactement ça. Nous devons détruire Sauron. Sauron est indestructible. Celebrimbor dit vrai. Nous nous battons, mais le mal revient toujours. Talion, il faut en finir. Il faut rétablir la lumière au Mordor, pas les ténèbres. Bon, ils vont échouer. Je ne veux pas changer un seigneur des ténèbres pour un autre. Ce n'est pas pour ça que je me suis battu! Mais vous n'êtes pas le seul à vous battre! Non, loin de là. Oh, ça part en couille. Ça va plus loin que ta soif de vengeance. Ou la mienne. Il s'agit de rétablir l'ordre dans le Mordor, oui. Dans la terre du milieu. Vraiment friper le spectre. Ce n'est pas ce que tu veux. Ça y est, commence à parler gentil. Tu n'es qu'un mandataire. Et il y en a d'autres. Galadriel ne vous a pas envoyé ici pour rien. Tous les deux. Nous pourrons mettre Sauron à genoux. Nous pourrons finir la tâche que nos ancêtres... commencer. Hein?
truc de ouf, les gars. Non, tends pas ta main. Non. 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 Non, non, elle est plus intelligente que ça. Non. Non. Oh non. Nos sacrifices ont tous un sens. Oh, truc de ouf. C'est le seul moyen. Oh les bâtards. Oh les gros bâtards. Oh le bâtard. Oh oui Arachné, sauve-moi. Oh non, ça rentre dans sa bouche. Non. Putain, mais il a chaud au cul à chaque fois, hein, Talion. Regarde l'avenir que tu as fait. Un seigneur de lumière au lieu de ténèbres. Oh, mon pauvre Talion. J'ai été sûr, j'ai dit, je sentais pas le spectre. Faire la vue, pourtant, tu ne vois toujours rien. J'ai vu un destin inaltérable. Tu te trompes. Quand Celebrimbor et toi avez forgé un anneau, j'ai vu l'issue de ta voie. Dans un combat contre Sauron au sommet de Barad-dûr, tu gagnais. Sauron était soumis. Le Seigneur de Lumière prenait sa place. Les armées du Mordor avançaient toutes sous sa bannière. Et la terre du milieu était à sa botte. Voilà l'avenir que j'ai combattu. Celui que tu as empêché. Car tu as vu Celebrimbor sous son vrai jour. C'est clair, je savais que c'était un petit bâtard. Non. Ton combat n'est pas terminé, Talion. Que les ténèbres ou la lumière règnent sur Barad-dûr, l'équilibre des pouvoirs doit perdurer pour sauver la terre du milieu. Minas Morgul. Oui. De là, tu peux retenir le Mordor. Truc de ouf, les gars. Comment ? Tue tout le monde. Finis avec. Je n'ai plus l'anneau. Je te le redemande. À quoi serais-tu prêt à renoncer ? Putain, mais elle veut toujours un truc en contrepartie. Oh. Ouvre les yeux, Talion. Ouvre les yeux. Wow, un truc de ouf. Je serai capable de respirer. Mon sort m'appartient.
Il va se transformer en Nazgûl alors. Oh là les mecs, je comprends plus. Hein. Pff, truc de ouf. On a bien fait de continuer l'histoire, franchement là c'est intéressant. C'est plutôt intéressant. Truc de ouf. Il se passe des trucs de ouf dans les let's play de CF Games les gars, ben oui. Ah je l'avais vu venir. Par contre, El Tariel, grosse pute. Hein. Franchement, salope. Je vous le dis. Il me laisse crever comme ça, comme un chien. Et l'autre, il se barre avec. Putain, je vais tous les tuer. Ah oui. Tous. Sans distinction, sans pitié. Oh, putain, dégueulasse. Tu dois avoir complètement perdu la tête. On est à Minas Morgul, et tu es seul contre nous. Tu te trompes. Nous sommes très nombreux. Ok. Bon. Ok, très bien. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui change hein, les amis hein, dans les combats. Ça doit être toujours à peu près pareil. Bon, on appuie triangle, ça change toujours rien. Hein. Bon, plutôt faible. Et oh, oh. Voilà. Très bien. Lui, je vais le prendre pour récupérer ma life. Très bien, merci mon ami. Ok. Ah, attendez, la capture est en cours. Eh hey, oh Pharos. Ouais, donc là, en fait, on capture Minas Morgul et après, c'est fini. Ok, très bien. Ouais, écoutez, les amis, prochain épisode, on prend Minas Morgul. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour le dernier épisode qui se présente comme le dernier, sûrement. Bisous.